Please subscribe to this channel and also tap the notification bell in order for you not to miss out on any of our videos. After the ultimatum given by General No Pity of Ambazonia, whose family members were captured, Field Marshal gives a 48-hour ultimatum to release the mother and father of the Ambazonian General No Pity. And the warning he gives is equally similar to that of General No Pity, who said that the war will move from the Anglophone side to the Francophone side. Peuple de la République, peuple de la République du Cameroun, voici le FMA, le AROF, la force d'Ambazonie. Je pense que vous avez bien suivi le porte-parole de AROF, Ambazonie, qui vous envoie un message ce matin en anglais. Maintenant, je vous envoie les mêmes paroles en français. Par rapport à FM, No Pity, que vous avez kidnappé sa famille et sa mère, son oncle, sa sœur et tout et consorte. Je vous dis donc, que ce moi, le fils Macha d'Ambazonie, que vous parlez donc maintenant, que le 28 heures, que le général No Pity, le fils Macha No Pity vous a donné, que moi, 48 heures, que moi donc, le fils Macha, moi, je reste aussi pour la même chose avec toute la force, tous les généraux d'Ambazonie. Que pour le 48 heures, on veut cette famille dehors. Manquez de faire ça. Vous allez donc voir ce que vous n'avez jamais vu dans vos vies. Et j'ai suivi un vaurien qui menace No Pity par son audio. Il dit que l'autre là, c'est un chien. Il ne sait pas là où se place pour dire tout ça. Mais je vous dis, si la guerre vous a dépassé, vous passez le temps à kidnapper les familles des gens au lieu de lutter la guerre qui est devant vous. Vous n'avez pas honte? Moi, je pense qu'au début de cette guerre, vous avez dit que vous avez l'intervention rapide pour craser les Ambazonais comme les mouches. Maintenant, ça vous a dépassé. Au lieu de lutter le combat corps à corps, militaire sur militaire, vous passez votre temps à kidnapper les familles des militaires. Bon, je vous demande quelque chose. Si maintenant, nous aussi, nous tournons pour vos familles, pour faire les choses bizarres, comme la force de la République passe son temps à faire, ça va revenir quoi? Ça va revenir la guerre civile, ou ça va revenir quoi? Je vous demande. Moi, je ne sais pas si le ministre de Défense de Yaoundé, il sait exactement ce que leurs militaires sont en train de faire au civil. Que dit que protège le civil? Je vous dis donc que pendant les 44 heures, 48 heures, vous ne laissez pas toute cette famille de FM No Pity. Vous allez donc voir ce qu'on appelle la guerre. Parce que cette guerre ne sera plus rien que dans la zone anglophone. Ça va déborder les limites. Douala sera en danger. Comme No Pity a dit, l'autre a dit qu'il sait les entrées à Bafoussam ici, il consorte et va les voir. Il est qui pour menacer la force d'Ambazonie? Et c'est dans les 24 heures, les 44 heures, on ne les voit, 48 heures, on ne les voit pas dehors. Là, vous allez sentir. C'est là où vous avez senti la guerre de 2021, août, aujourd'hui c'est août, le 4 août, que je vous envoie ce message. Moi je pense qu'il y a tant que les républiques, les parents de certains militaires qui venaient mourir ici dans le terre Ambazonie comme les mouches, vous êtes assis, vous regardez Pobia avec son gouvernement, que vos familles, vos enfants, vos oncles, ils sont où? Ils sont morts.
Je pense que ici, le 1er août, ici à Lebielem, à Fontaine, vous avez vu ce que s'est passé. Bon, il y a souvent les gravités plus que l'autre là que vous avez vu le 1er août. Et je vous promets que même les autres qui sont ici à Lebielem, restez tout tranquille, vous allez voir. Quand vous sont là, vous dites que vous bloquez tout le route pour que Fimacha ne sorte pas pour la guerre. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé dans la vie même. Si moi je vous ai dit un jour que vous allez entrer dans la bouche et rester, moi je vais rester dans la vie, vous ne pouvez pas quoi. Vous êtes malade mental quoi. Je vous dis donc, 44, 48 heures, vous ne libérez pas cette famille, vous allez sentir ce que la force, les militaires d'Ambazonie vont vous faire.